poser. Bonjour Hervé, bonjour à tous, comme on dit ici. On devrait vivre un très beau match avec cette affiche entre la Roma et l'AC Milan. C'est vrai, Hervé, un duel entre la capitale administrative de l'Italie, Rome, et la capitale économique, Milan. Ah, mais ce sujet donne pour l'analyse économico-politique. Qui va nous permettre de retrouver la Roma, Franck. Et qui a retrouvé sa splendeur avec l'arrivée du Français Rudy Garcia sur le banc. Hakanzik, il ne trouve pas son partenaire. Il va mettre le fil en touche. Il fait perdre aussi. Un bon jeu de passe. Peut-être le but. Oh, il y croyait sur cette action. Fait, il a tout de suite regardé vers son banc. Il a la clé. Mais c'est déjà il y a 20 ans. Ouais, c'est tout. Oh, elle est dangereuse cette frappe. Et ce ballon qui s'en va au-dessus de la transversale et qui part même dans les nuages. Attention à la réception de ce centre. Ouais, il redonne à Karim Benzema. Ozil. Et ce sera corner pour l'AS Rome. Cette action, vous allez voir que le ballon ne passe pas très loin. Il repousse, ça joue. Oh, c'est bien centré. Attention, attention. Et la voilà, la frappe. On le sentait venir, le but de l'AC Milan. Superbe coup d'œil du passeur juste avant ce but. Et tout par-delà, en effet. C'est vraiment une passe qui, comme son nom l'indique, est décisive. On verra peut-être mieux ce qui s'est passé hein, sous un autre angle. Femme de Maria. Ballon pour René. Benzema. Karim Benzema. Wayne Rooney. Ouais, il récupère le ballon sur ce bon tacle. Rossi. Qui sera le premier sur ce ballon. Et c'est finalement le défenseur. Et voilà, déjà 45 minutes dans ce match. Un petit but simplement 1-0. Je crois qu'on peut dire qu'ils ont su se montrer plus opportunistes dans cette première période. Oui, c'est vrai. En plus, les statistiques sont assez équilibrées. Hein. Pourtant, une équipe fait la course en tête. Vous avez raison, hein. C'est le réalisme qui a fait la différence.
Xabi Alonso. La frappe. Et le ballon qui touche le montant et qui sort. Il fait perdre aussi. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Arturo Vidal. Lucas. Peut-être le but. Et la frappe qui n'est pas cadrée finalement. Arturo Vidal. Oh, elle est dangereuse cette frappe. Karim Benzema. Ozil. Benzema. Angel Di Maria. Ballon pour Rooney. Le long de la ligne de touche. Oh, il y a du monde dans l'axe. Attention, il y a danger. Ouais, ça va pouvoir donner un bon centre, ça. Ouais, bonne intervention de la tête du défenseur. Ouais, bonne circulation du ballon. Ouais, il perd le ballon, mais ça joue. L'entraîneur qui va procéder à deux changements simultanés. Ce n'est pas un joueur, mais deux joueurs que va faire entrer l'entraîneur. Lucas. Vidal. Et ça s'engage dans l'axe, il peut la donner. Ah, bonne intervention de Sergio Ramos pour reprendre ce ballon. Avec Wayne Rooney. Sergio Ramos. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. La balle pour Wayne Rooney. Allez, lève la tête et ça peut faire mal. Encore le gardien, c'est gagné. Il a du champ. Oh, le tir. Oh, il repousse, ça joue. Il va mettre une touche, bénéfice de la AC Milan. Immobilé. Thiago Silva. Ah, une faute en cette fin de match. Ouais, c'est le jaune, hein. Jaune pour le joueur de l'AC Milan. Oh, l'arbitre était bien placé, hein, sur cette faute. Qui indique qu'il y aura 5 minutes de temps additionnel. Ouais, la tête, c'est bien vu. Il va bien s'emparer du ballon. C'était un petit peu trop fort en effet. Et c'est donc la fin de ce match. Cette rencontre qui prend donc fin avec une victoire. Une prestation dans l'ensemble, avec quelques beaux mouvements. Les joueurs peuvent avoir le sourire. C'est le match avec vous, Franck. Merci à tous. Au revoir.